Gaming, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la PS3. Là, sur cette vidéo, je vais jouer sur Assassin's Creed 4 Black Flag et je vais vous présenter deux astuces pour avoir beaucoup de reels. Pour ceux qui ne savent pas, les reels c'est l'argent dans Assassin's Creed 4. Donc, si la qualité de la vidéo n'est pas très bonne, je suis désolée. Et là, en ce moment, je suis en train de crier parce que le micro de ma caméra n'est pas très bien. Donc, si je crie dans la vidéo, tant pis. Je peux pas faire mieux pour la qualité. Je suis vraiment désolée. Hein. C'est parce que là, j'ai fait un gros système. On a fait un truc, on a galéré. Donc la première astuce va se passer dans le sud de la carte. Donc moi cette astuce je peux plus la faire mais nous vous pourrez la faire. Donc il faut aller dans le sud, dans la partie Serranilla, et vous allez sur Newbound, vous zoomez, vous allez sur ce point d'observation. Et donc vous normalement, si vous n'avez pas battu tous les bateaux légendaires, là, vous verrez un bateau légendaire. Moi, je l'ai déjà battu plein de fois et j'ai fait une erreur, du coup. Et ben, le bateau, il apparaît plus, mais vous, il apparaîtra. Donc là, vous êtes au point de synchronisation. Là, vous voyez, il y a mon bateau. Et normalement, à côté de mon bateau, bon, là, il y a l'eau, hein. Mais normalement, il y a un autre bateau. Et donc, vous devrez sauter par ici. Vous devrez vous rendre dans l'autre bateau discrètement sous l'eau pour pas qu'il ne vous tire sur vous et pour pas qu'il ne vous tue. Donc vous devrez passer ici, là il y aura un bateau en face de vous, vous devrez nager, aller sous l'eau, comme ceci, regardez. Là il y aura le bateau, vous appuyez sur rond pour aller sous l'eau, vous vous cachez de temps en temps. Ensuite vous grimpez sur le bateau, très important, vous tuez tout le monde sur le bateau, sans aucune exception. Ensuite vous retournez dans votre bateau et vous verrez, vous tirez un boulet de canon sur le bateau en face et il sera déjà détruit. Et vous pourrez faire l'abordage et gagner 2000 R et quelques ressources. Donc ça c'était pour la première astuce que moi je peux plus faire. Et maintenant la deuxième astuce, ma préférée, que je peux faire. Donc elle se trouve en haut à droite, ici, dans la région Eleuthera. Donc moi je vais faire déplacement rapide sur mon château. Puisque j'ai conquis tous les châteaux. Donc, je vais mettre un point sur la carte, ici, sur le navire légendaire. Ensuite, vous devez vous y rendre. Donc, je ferai peut-être une coupure dans la vidéo jusqu'à ce que je m'y sois rendu. Donc là, on est bientôt arrivé à l'événement des bateaux légendaires.
Donc c'est bon. Donc là, vous voyez, il y a deux bateaux, un à voile blanche, un à voile noire. Vous devez tuer que le bateau à voile noire pour gagner 10 000 rils en 5 minutes. Bien évidemment, moi, mon bateau est maxé. Du coup, ce sera très facile pour moi de le battre. Mais si vous n'avez pas un bateau maxé, ce sera très compliqué pour vous. Donc pour ce tuto, pour la deuxième astuce, désolé, votre bateau doit être très puissant, mais pas obligé maxé. Si vous savez bien jouer, il n'est pas obligé d'être maxé. Donc regardez, sa vie est bientôt, il est bientôt mort. J'ai envoyé un petit tir de mortier. Donc vraiment, faut pas avoir piqué, faut mitrailler les tirs. Hein. Hop là, on lui fonce dedans. Hop là. Et donc là, vous voyez, mon argent, j'ai 111 000. Dans pas longtemps, là, je vais récupérer. Hop là, regardez en bas à gauche, 121 000, j'ai gagné 10 000. Parce que j'ai récupéré son argent en appuyant sur le carré. Donc maintenant, l'astuce, vous vous laissez tuer par l'autre bateau, le Royal Sovereign. Vous vous laissez tuer. Comme ça, après vous allez mourir. Ça va sauvegarder que vous avez gagné 10 000, mais le bateau noir que vous avez tué pour gagner 10 000 va réapparaître et vous pourrez réitérer l'opération autant de fois que vous voulez. Et donc, en 10 minutes, vous pourrez gagner par exemple 20 000 rils, ce qui est vraiment énorme pour moi. Je trouve que c'est énorme. Donc, si vous vous demandez comment j'ai eu autant d'argent, lorsque j'ai fait beaucoup de contrats d'assassinat. Donc je vais m'approcher sur lui, je vais m'approcher de lui pour qu'il me tue plus rapidement. Comme ça la vidéo sera un peu moins longue puisque là je filme avec ma GoPro. Voilà, je vais freiner pour qu'il me fonce dedans. Parfait, parfait. Voilà. Allez, tire-moi dessus. Donc si vous ne comprenez pas un truc sur ce tuto, enfin sur les deux astuces, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, je vous aiderai. Voilà, donc là je suis désynchronisée, donc c'est une bonne nouvelle. Donc là regardez, je vais réapparaître à côté des deux bateaux. Donc là comme vous pouvez le voir, les deux bateaux sont réapparus. Le noir que j'ai tué tout à l'heure a réapparu. Donc je peux le retuer une deuxième fois. Et mon argent a été sauvegardé normalement. Donc là je crois qu'il n'a pas été sauvegardé mon argent. Et si vous voulez, je veux le refaire devant vous. Je sais pas si je le refais. Non, je vais pas le refaire. Donc voilà, ce tuto est terminé. Donc si vous avez des problèmes au tuto, dites-le moi. Si vous avez aimé cette vidéo, lâche un like. Si tu l'as pas aimé, lâche un dislike. Et moi, je vous dis ciao ciao!